Yo, what's up, c'est Elite. Et aujourd'hui, je vais vous montrer deux petits glitches qui se passent tous les deux sur le yacht de luxe. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation que j'ai faite au sujet du yacht, je vous invite à aller la voir en cliquant en haut à droite dès maintenant et à lâcher dès cet instant un pouce bleu sur cette vidéo ainsi qu'un commentaire pour me dire si oui ou non vous avez kiffé la vidéo. Donc le premier glitch, il faudra vous rendre au comptoir de votre yacht afin de demander 2 ou 3 verres de whisky d'affilée pour les voir et pour ainsi dire être complètement bourré, être complètement plein. Et une fois que l'alcool aura fait son effet, vous vous rendez dans la petite pièce d'à côté, vous vous asseyez sur le canapé et vous regardez la télé durant 2 ou 3 secondes. Une fois que vous avez regardé la télé pendant quelques secondes, vous l'éteignez et en vous relevant du canapé, vous verrez que les gestuels seront toujours très perturbés par l'alcool, mais que le filtre vert qui recouvrait l'écran n'est plus présent et cela va ainsi vous permettre d'avoir votre personnage bourré, saoul, alcoolisé, vous dites ça comme vous voulez, mais de toute manière il y sera de manière illimitée et je trouvais ça plutôt drôle et sympa à vous présenter, surtout si vous voulez troller des potes et leur prouver que vous êtes bourré à plein temps. On passe de suite au second glitch qui va vous permettre de jouer à Superman tout simplement. Vous allez vous la péter un peu, la jouer Superman, Iron Man, Batman. Enfin bref, en tout cas c'est vraiment très drôle. Et pour ce faire il vous faudra juste le petit bateau qui est fourni au pied du yacht avec les deux autres jet skis ainsi qu'un ami. Donc pour ma part je remercie l'abonné Pinguinou qui m'a aidé à réaliser ce petit glitch ce matin. Ça m'a fait vraiment super plaisir qu'il soit là. Donc pour ce faire vous vous placez au bout du yacht, enfin au bout du petit bateau plutôt, en mode Titanic, vous savez, avec la petite chanson. Sauf que là, il n'y a pas du tout de barrière. Et votre ami devra tout simplement se contenter de conduire le petit bateau et de foncer en pleine face dans votre yacht, bien du côté où il y a le drapeau et votre pseudonyme décrit. Et au moment du contact, entre les deux embarcations, votre joueur, il va effectuer une petite pirouette digne des plus grands comédiens ou simulateurs tels que Valbuena ou Thiago Motta. Voilà, ça c'était pour taquiner un peu les Parisiens, les Lyonnais. Mais en tout cas, voilà, il va vraiment s'envoler en l'air de manière toute droite. Et à sa rechute, il va vraiment perdre l'équilibre et faire un beau plongeon dans l'eau. Et c'est plutôt drôle. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Voilà, c'est tout. Voilà les frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez votre pouce bleu pour montrer que l'armée des perroquets est là. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !